Ok, on est revenu au point de départ là du circuit, de mon second circuit. Donc j'ai engagé sur la piste. Et après, ben, on va suivre la trace. Donc moi j'avais pris un petit single en contrebas là sur la gauche. Et ça passe pas, bloqué par les arbres. Un arbre en travers, un gros arbre. Ouais. Bah, il fait pas chaud à l'ombre, hein, en forêt. Meilleur au soleil. Oh, ça grimpe bien, hein. À un moment donné, il y a une sente qui rejoint cette piste, qui vient de plus sur l'autre route là qui va Herbe Douce là-bas. Je crois que c'est ici là. Ouais, qui arrive de là. Voilà, du col de Boissou. Alors peut-être que c'est faisable depuis plus haut en fait. Prenons l'autre route. Arrivé au col de Boissou, je crois qu'il y a un parking là-bas. Et c'est de là où on part pour faire le cabane du Chéus. Et on peut aussi pouvoir descendre ici sur mon circuit que je vais faire là. Que je suis en train de faire. Ok. Enfin, je présume. Hein. Je ne sais pas comment est l'état du bordel. Hein. Allez, let's go. Et encore un virage. Il y a des pistes là, enfin, je sais pas ce que c'est ça. Ok, est-ce que je suis au plus haut? Je sais pas. Wow. C'est la cabane forestière d'Issau, l'ONF. Elle est jolie cette cabane. Eau non potable. Ah, elle est jolie. Jolie cabane. Bon. Ouais. Allez, on continue notre circuit. Ouais, piste carrossable un peu. Mais je pense que plus bas, ben, ça va se transformer. Hein. Single, j'espère. Voilà. Surprise, surprise. J'ai regonflé un petit peu les boudins là, parce que je trouvais qu'ils étaient pas mal dégonflés depuis ma sortie à Artoust, pas vrai, Artoust. Je ne l'avais pas retouché. Et quand j'avais une portion de route à faire, je vais regonfler un petit peu. Ouais, parce que quand j'ai fait le chemin là, de la mature là, tout à l'heure, je trouvais un peu mou. Ça voulait un peu partir. Donc j'ai regonflé les deux boudins, un peu plus l'arrière que l'avant, c'est toujours pareil. Bon là ça a un cul-de-sac, et ça va enquiller en face. Bon, c'est la descente, alors je sais pas comment c'est l'état, ça a l'air ronce. Allez, let's go! C'est un peu la piste que j'avais faite avec, lors de ma rando pédestre là, je suis retombé sur une piste comme ça quoi.
Après, peut-être que ça va se transformer. Bien. Calme-toi. Hop, tu sautes. Est-ce qu'il y a des passages de gué? Compression. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Là, je crois que c'était là où j'étais arrivé, moi. En fait, ouais, d'accord. Ça, c'est ce que j'ai fait. J'étais allé au plus loin ici. J'avais filmé un petit peu le premier passage, et puis la passerelle, jusqu'au passage de gué. Et après, j'ai monté jusqu'ici. Et j'avais filmé d'ici au passage de gué. Ouais, c'est ça, ouais. Je me souviens de marque rouge là. Donc je ne vais pas continuer la piste, par contre je vais faire plutôt single ici. Voilà. Là. Yeah, man. Ah, ça va vite là, on va en vélo, hein. Du capier. Ouais. Super single. Alors, un peu humide, hein. Alors, c'est le matin, ça n'a pas trop séché. Pas le temps de sécher encore. Pas vu le soleil. Donc, je vais pas tarder à arriver au passage du gué. Là, voilà, attention. Passion. Ouais, c'est bon, c'est passé. Je me suis dit à pied là, quand j'étais venu reconnaître, que ce passage de gué va pas être commode. Ouais, non, ça l'a fait. Voilà, je me suis levé de la selle parce qu'il faut pas. Oula, brandir, faut pas mouiller la truc de la. Attention là. L'objectif de la caméra. Ce serait dommage d'avoir une vidéo floue. Ouais. Et même. Ah ouais, c'est ce passage de gué donc que j'avais dit ouais, celui-là il va être costaud. Ouais. Pied à terre. Pied à terre. Ouais. Yop. Mode walk. Ouais, Zobi la mouche. Ah si, il veut prendre, mais... il est au ralenti. Ok, man. Allez, on remonte. Et là, méfiance aussi, parce qu'il y a un passage à la con, où il y a obstacle. Il faut le contourner. Il y a les racines au sol. Ouais, c'est un peu boueux. Ouais, j'ai failli partir. J'ai failli prendre le tronc en travers. Ouais, il a plu ici. Ouais, c'est moins sec que la dernière fois. Bah, s'il a neigé cette nuit, il a plu plus bas. Hein. Donc si je prends là. Mais là, je retombe quand même sur mon obstacle. Qui est cet arbre là en travers. S'il y a moyen de contourner autrement, non. Donc on contourne par là, mais. Ouais. Je passe par-dessus.
Hop là. Et ben, si je vais là, ça sera moins haut, non? Ouais, ça sera plus facile, non, là? Hein, à soulever. Putain, des fois, hein, faut réfléchir un petit peu. Hein. Pas beaucoup, mais... Là, c'est toujours les pédales qu'il faut chier. Je sais pas pourquoi il y a des... Ah ouais, je devrais faire des vélos électriques sans pédales. Ça s'appelle une moto. Ouais, mais là... J'ai essayé de le faire sur le vélo, mais... Ouais. Ok, man. Allez. Racine. Ouais, cette partie, elle est un peu plus cross-country, un peu plus tabasse. C'est racine. Oh. Hop, putain. C'est bon, c'est passé. J'avais peur de glisser. L'homme du Gave, 10 sauts, pas d'eau sauts, hein, 10 sauts. Si on est en forêt, 10 sauts. Ah, je vois la culture, l'ancien pont. Ah, il va y avoir le passerelle là, suspendu. On va rigoler là. Surtout pour mettre le vélo sur la passerelle. Oh, attention, là il y a obstacle. Hop. Encore l'hélicoptère. Putain, encore un hélicoptère. La dernière fois aussi. Ouais. Alors. Pas facile, mon gars. Ouais, c'est bon, ça le fait. Après, je soulève l'arrière du vélo par la selle. L'arrière de la selle. Ok, man. Beau suspendu. Waouh, waouh, waouh. Ouais, j'essaie de pédaler, mais j'y arrive pas. Ouais, voilà, hein. Yeah, man. Ok. Ben voilà. Alors, je crois que plus bas, il y a des chalets. Enfin, c'est pas des chalets, c'est un gîte. Ça peut accueillir des groupes d'une quinzaine de personnes. Il y a un circuit qui part sur la... au-dessus, sur la droite. Et c'est une piste. Et elle rejoint les pistes plus loin du Pirée. Col du Pirée, etc. là-bas. Et j'avais pour objectif de faire ça, mais pas aujourd'hui. Et par contre, de l'autre côté de la route, de côté gauche, là, il y a un chemin qui va vers la falaise. Et je pense qu'on peut y aller à vélo. Pas entièrement tout le chemin, mais enfin, la partie faisable. Je vais aller voir. Je vais peut-être rester garé là et là je vais manger un peu la barre de céréales, d'accord. Et après on va aller s'avancer là-bas, aller voir. Allez, à plus. Sympa cette passerelle, ce pont. Le Gave d'Issot. Ouais, c'était rapide. Ouais, je pensais que la première partie serait plus ludique, plus intéressante. C'était une piste. Ok.